Et au lendemain, il te donne la révélation profonde et cachée de sa parole. Tu reçois cette révélation. Tu reçois la révélation de la parole. Reçois maintenant le nom de Jésus. Le don de la révélation de la parole, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Désormais, il est qui sa langue pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la sainte doctrine, pour prêcher la parole, pour enseigner la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie que depuis son cœur tu parles. Depuis son cœur tu parles. Depuis son cœur tu parles. Cet esprit parle au fond de son cœur. Parle au fond de son cœur. Parle au fond de son cœur. Seigneur, ne permets jamais que l'ennemi lui enseigne quoi que ce soit. C'est pour moi que ses oreilles soient bouchées à la voix de l'ennemi, soient bouchées à la voix du mercenaire, soient bouchées à la voix du mercenaire, mais qu'ils soient toujours connectés à la voix du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te prie, équipe-le encore. Équipe-le encore. Tout ce qu'il faut pour prêcher ta parole, je prie que tu y accordes. Quand on a reçu ta parole, quand on prêche ta parole, que des guérisons s'opèrent. 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 Que des miracles accompagnent la prédication de la croix qu'il annoncera. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aucune de ces paroles ne soit tombée à terre. Seigneur, garde-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas recompris. Alléluia. Amen. Il n'a pas recompris. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce que je vais faire, je vais vous laisser parole rapidement. Tite. Tite premier. Qui te va parler avant? Tite 1er, le verset 5. Qui te va parler? Premier, le verset 5. Et avant, qui te va parler? Rapidement. Je lis la parole du Dieu au nom de Jésus. Amen. Tite 1, verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Mais dans le Crète, tu viens à... Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui restent à régler dans l'église de louer. Et donc, les gens là, ceux qui nous ont obligés à laisser des missionnaires, qui ont travaillé pendant 7 mois d'arrache-pied. Ils ont travaillé sous la pluie, ils ont travaillé sous le soleil, ils ont travaillé dans toutes les situations périlleuses. Et le message du Seigneur a été annoncé. Et des âmes ont été moissonnées. Et l'église est toujours debout. Alléluia. Amen. Maintenant voici la fin de la mission. S'ils passent sans rétablir, sans ordonner, c'est comme si quelqu'un qui construit une maison ne met pas de porte. N'importe qui peut entrer dans cette maison. Amen. Ça, maintenant, tu as si on vient encore voir cette maison, il va voir que la maison est devenue quoi? Le temple des animaux. Donc, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? 1 Corinthiens 12, le verset 27 et 28. Corinthiens, Thomas par le banc est à. Oui, Corinthiens, allons vite. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 12, oui. Verset 27 et 28. Oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu
a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. La Bible dit que vous êtes quoi? Le corps de Christ. Et chaque vous en êtes dans quoi? Un membre. Pourquoi? Parce que le corps est organisé. Est placé en haut. Parce que son rôle, c'est de conduire tout le corps. C'est d'après sur foi. Les oreilles, c'est pour entendre. Les pieds, c'est pour faire déplacer le corps. Les bras, c'est pour faire chercher, pour prendre. Ainsi de suite. Donc, autant que vous êtes un membre à part entière. Donc, c'est le Seigneur qui dispose. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dispose. On ne va pas dire à Dieu pourquoi tu as mis pied gauche à la consigne, pourquoi tu as mis les yeux là sur la terre, pourquoi pas en c'est lui qui dispose. C'est l'esprit qui dispose. Il donne à qui il veut. Il établit qu'il veut. Pourquoi le prophète d'Élève a dit qu'il est quoi? Que c'est lui qui établit et qui renverse. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu aussi qui renverse. Donc ce que Dieu fait, la chair ne peut pas s'opposer. Ce que Dieu fait, la chair doit se soumettre. Nous avons laissé sur l'église un ancien. Mais d'ici, quand on est ancien, il est quand on dit ancien, nous ne pouvons pas me quand. Peut-être que nous ne pas ce que ça veut dire. Mais là, c'est comment? Je me rappelle très bien qu'on avait donné un enseignement sur les dons du ministère. On parle de ministère des anciens. Mais pour le diable, les évêques, tout ça là. Ancien, on dit. Ancien, mais comment ça vient ancien? Alléluia. Amen. Ancien, c'est ancien. Amen. Amen. Quand Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les anciens, Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le Sanhédrin. Ceux qui composent le Sanhédrin sont les anciens. Amen. On choisit le Sanhédrin pour juger. Alléluia. Pour juger. Pour représenter valablement le sacrificateur dans chacun. Ville ou bien dans chaque tribu. On en a pour ça là que tous les siens. Et le terme ancien est revenu encore dans l'église. Donc, quand on dit ancien, ce sont en réalité ceux-là qui ont reçu le témoignage de Christ. Amen. Christ sauvé dans ses vies. Ceux-là qui ont reçu le témoignage de Christ. Amen. Christ sauvé dans ses vies. Ceux-là en réalité qui sont des modèles. Ceux-là qui sont des modèles. Amen. Amen. Que j'ai de votre vie. C'est pas facile. Ce sont des modèles. Ce sont des responsables. Ce sont des sages. Ceux qui sont là pour régler les problèmes de l'église. C'est ce qu'on appelle ancien. Quand il y avait un problème, c'est vers eux, on va. Article nous a montré ce qui s'est passé, comment les anciens de Jérusalem avaient tranché ce problème de la circoncision. Oui, à ton là, des fiers allaient au port où il y a eu le beaucoup disent que non, c'est le ministère n'a pas assez révolu. Pourtant, c'est dans l'église. Les gens disent que non, tel ministère est révolu. C'est plus d'actualité. Ah bon? Donc ici, il y a un monde où les gens ont changé la doctrine. Et on pose le système du monde à l'église. Et l'église a longtemps vécu dans le désordre. Donc,
L'église de Lomé n'avait pas réellement de ministère officiellement reconnu. Alléluia. L'église de Lomé n'avait pas de ministère officiellement reconnu. On a établi un chef. Alléluia. Et on lui a donné ce qu'il doit faire. Alléluia. Maintenant, c'est son rôle de départ cela. Son rôle dépasse cela. Un ancien, tout temps, le Seigneur peut révéler aussi son ministère. Oui, il peut devenir toujours ancien. Elle a gagné à Métiki. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit, désormais, a équipé l'église de Lomé d'un évangéliste. Je vais faire un bref résumé sur les ministères pour vous donner une idée. Nous sommes peut-être appelés, tu peux dire, non, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Il accompagne toujours pas des signes. Il donne toujours des signes de la paix. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur appelle, tu iras maintenant chercher sa face. Alléluia. On l'a même dit, elle est commun. Pour mieux l'occuper sur la mission. Maintenant, toi, assez nous comme un mieux de hauteur dans ce dit. Alléluia. Amen. Pour mieux l'occuper sur ta mission. Amen. 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 Je veux pas respecter l'ordre des choses. Alléluia. Je veux conduire selon ce que l'Esprit me dit de faire. Au ministère d'évangéliste, les maunya peuvent faire que la bête tombe au mer. Alléluia. Amen. Sous la gravure de Jésus. Les matières à capter par quelqu'un ici. Maïa Marie. Peut-être à un moment donné, je te dis, mais est-ce que le chemin qu'on a pris là, ce chemin-là, n'est pas devenu le mauvais chemin. Et dès moi, mes trois ou moi, n'est pas devenu le mauvais chemin. Le chemin que j'ai pris moi-même. Et moi, il y a un temps, mais tu vois. Je ne sais pas la personne, hein, que j'ai pris moi-même. Et moi, il y a un temps, mais tu vois. Je me suis engagé. Mais toi, le gars, pour le monde. J'ai parlé à tout le monde du chemin. Yeah, mais pour le mais ça, mais les moines. Mais parce qu'à un moment donné, et c'est pas certaines choses se sont passées. Et il y avait meillé. Et nous, j'étais vraiment égaré dans mon cœur. J'ai pris la décision de quitter le chemin. Mais ma tous les moines. Mais quand Dieu t'appelle, Alléluia, tu ne peux pas. Que Jonas a fui. Et Jonas, si il a pris le mauvais chemin. Ah, et ton mauvais chemin. Il a pris le chemin de la mer. Et John a déjà pour même. C'était la mer. Il a se caché un peu dans les maisons. Il a pris le mauvais chemin. Et John, donc quand tu fuis le Seigneur, aussi tu prends toujours le mauvais chemin et t'attrapes. On a ton mauvais chemin. Il a pris le chemin de servir. Ben, je veux assurer le bien-aimé, le frère, et ça. L'église de Lomé, elle est bien Lomé, le ministère d'évangéliste marche.
L'église va grandir. De jour en jour, la parole sera prêchée. Et le cercle de l'église va augmenter. Et l'église c'est un motivateur. Le Saint-Esprit dans sa grâce vu et dorénavant l'église de Lomé d'un pasteur. Alléluia. C'est pas l'attaque qui compte. Alléluia. Quand on dit pasteur, c'est pas la taille qui compte. C'est pas l'âge. C'est pas je sais bien parler qui compte. Parce que notre capacité vient du Seigneur. Et c'est lui qui nous rend capable. Alléluia. Un pasteur. Pasteur. C'est le père de l'église. Quand je le père, qu'est-ce que je dis par là? Il y a une affection particulière qu'il a pour les bébés. Alléluia. Tu peux ne pas avoir ces caractères. Et c'est ce que Dieu fait. Il y a toujours une confusion. Non, mais parce que lui-même, il est une pierre de confusion. Combien? Jésus-Christ a été une pierre de confusion, non? Mais une pierre de puissance. Ouais, et ceux qui sont sauvés. Alléluia. Je vais appeler le bien-aimé. Je vais appeler le bien-aimé, le frère Caleb. Alléluia. Le frère Caleb, il était diacre. Alléluia. Non, non, Caleb, il est diacre. Quand on avait mis les Philippe, les tiens à la cuisine, ils sont sortis de la cuisine, et pas annoncer l'évangile. Et Philippe est devenu évangéliste. Alléluia. Il était là pour des miracles. On l'a raconté. Dorénavant, le diacre Caleb, diacre Caleb, le Seigneur le fait entrer dans le ministère, dans son appel, en tant que pasteur. Amen. Qui dit que le Saint-Esprit n'est pas merveilleux? Qui dit que le Saint-Esprit n'est pas merveilleux? Un nouveau succès à lever sur l'église de Lomé. Vous savez,
La mission, Jésus revient. Jésus revient vite au Brésil. C'est d'abord une mission réveille. C'est une mission d'implantation. Alléluia. C'est une mission qui va de ville en ville, de pays en pays. C'est comme cette tempête qui ramasse tout sur son chemin. L'exercice du ministère apostolique. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'a pas manqué aussi de donner à l'église de Loubé un ministère apostolique. Alléluia. Amen. Je vais m'attarder un peu sur ce que je veux dire. Le ministère apostolique, c'est un ministère qui fonctionne avec l'humilité. C'est un ministère qui fonctionne avec la soumission. C'est un ministère qui est basé sur l'amour. Je me dis, si ces trois piliers manquent, le ministère devient un ministère qui est égal au nom. Et sorti à mes temps, à mes lèvres, et le ministère s'arrête au nom. Le ministère n'a pas de puissance. Alléluia. Il n'a pas de puissance. Mais donc, c'est le ministère a posé fonction sur l'amour, l'unité, la soumission. Et toi, de la tempérée, de cubobo, l'olantide. Alléluia. Si le Seigneur de qui est, soit avec le puissant extrême. Et il y en a pas. C'est de ce qu'il requiert un brisement extrême. Vous avez vu tout ce qui arrive aux apôtres. Mais quand il va menacer la porte à construire le château. Les apôtres ont même tout à regarder. On va confier la Bible, voici qui a construit le château. Il y a quoi de la même. Alléluia. C'est un ministère de persécution. Alléluia. C'est un ministère de persécution. C'est un ministère d'humiliation. Alléluia. C'est pas à vous de donner le reconnaissance de ce ministère. Est-ce parce que les gens travestissent le ministère que la parole de Dieu doit être rejetée? Non. Mais ce que le Seigneur dit. Sachez qu'il a déjà fait depuis. Sachez qu'il a déjà préparé. Si le Seigneur te dit, toi tu t'appelles aujourd'hui à un ministère, avant même que tu ne viennes dans ce monde, lui-là, il a écrit ça sur toi depuis l'éternité. C'est quoi il a dit à Jérémie? Foi, je veille sur ma parole. Alléluia! Mais les pauvres, un apôtre, c'est quelqu'un qui a un trait beaucoup plus autoritaire. Alléluia! Apôtre, et toi, tu es papa, toi. Beaucoup ne le supportent pas. Beaucoup ne le supportent pas. Beaucoup le critiquent. Alléluia! Et toi, tu dois être dans l'humilité. Amen! Je ne vais pas trop parler. C'est ce que l'Esprit a dit que je vous communique. Et lui n'est pas blanc, mais il est l'ami. Le Seigneur a fait le bien-aimé Joseph comme apôtre de l'église de Lomé. Un chat, il est dit. Alléluia. Un chat, il est dit. Je vais voir votre expérience.
un chant d'église. Pour le Saint-Esprit. Tu lui donnes le dégoût de l'argent. Tu lui donnes le dégoût de maman, Seigneur.
et tu sèmes la vérité dans son cœur. Tu sèmes la vérité dans son cœur. Tu sèmes l'amour pour ta parole, l'amour pour la vérité. Tu sèmes dans son cœur. Seigneur Jésus, Papa, tu sèmes la sainteté, la sainteté, la pureté. Tu sèmes, oui, la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté. Tu sèmes dans son cœur. Tu fais de lui, Seigneur, un serviteur à guérir. Tu sèmes, tu fais de lui un serviteur à guérir, équipé, 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 équipé. Seigneur, je déclare. Maintenant, le ciel s'ouvre dans ta vie. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Devant les hommes, devant les anges et devant toute entité spirituelle. Seigneur, tu le consacres. Tu le consacres. Pasteur, oh pasteur, pour conduire ton troupeau, tu le oins, tu le remplis de la puissance, de la force. Oui, tu le oins, tu le oins, tu le oins, tu le oins. Papa, tu le consacres, tu le consacres, tu le consacres. Tout ce qu'il ne pouvait pas faire, tu commences à le faire maintenant. Tout ce qu'il ne pouvait pas faire, tu commences à le faire maintenant. Seigneur Jésus, partout où il posera son pied, je lui deviens sa propriété. Partout où il posera son pied, je lui deviens sa propriété. Seigneur, tous les principautés du Togo, tous les principautés, les servis du Togo, les ennemis du Togo, les dominations du Togo, s'inclinent devant lui. 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 Tu le remplis de force et de puissance. Tu le remplis de force et de puissance. Tu le remplis de force et de puissance. Seigneur Jésus, Papa, tu le donnes de puissant dons. L'onction de guérison. L'onction de guérison et de miracle. L'onction de guérison et de miracle. L'onction de guérison et de miracle. Tout malade qui touchera, reçoit la guérison. Tout malade qui touchera, reçoit la guérison. Tout malade qui touchera, reçoit la guérison. À partir de maintenant, oui, tout ce qu'il ne pouvait pas faire, il commence à le faire. Il commence à le faire. Par lui, tu vas guérir des malades. Par lui, tu vas opérer des miracles. Par lui, tes morts vont ressusciter au Togo. Tes morts vont ressusciter au Togo. Tes morts vont ressusciter au Togo. Tu casques du salut. Le casque du salut sur sa tête. Le casque du salut sur sa tête. Oui, tu lui donnes la classe de justice. Et tu le dis de la sainteté de vérité. Le sein de l'évangile. Et il tient maintenant le bouclier de la foi et l'épée de la parole. L'épée de la parole. Et il combat comme un guerrier, comme un guerrier, comme un guerrier. Seigneur, tu le révèles ta parole. Tu le révèles tout ce dont ta brebis a besoin. La nourriture la plus profonde que ton brebis, que ton troupeau a besoin. Tu mets ça dans sa bouche. Tu mets la parole 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 dans sa bouche. Et tu sais dans cette entrée, dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur. Quand il ouvre la bouche, que la parole sort de sa bouche. La sainte entrée sort de sa bouche. La sainte entrée sort de sa bouche. Tu mets dans son cœur la parole de consolation, la parole de consolation, la parole de consolation,
la parole de consolation, la parole de consolation pour consoler ton peuple, pour éduquer ton peuple, pour exhorter ton peuple. Dieu enlève le manteau de péché. Dieu enlève ce manteau maintenant. Et tu fais parler un manteau de serviteur, un manteau de gloire, un manteau de serviteur, un manteau de gloire, un manteau de serviteur, un manteau de sainteté, un manteau d'humilité. Seigneur, merci. Aucun sorcier ne tiendra devant lui. Seigneur, partout où il posera ses pieds, Dieu devient sa propriété. Seigneur, à tout moment qu'il va invoquer le feu, que le feu descend. À tout moment qu'il va invoquer l'épée, que l'épée descend. À tout moment qu'il va invoquer la bombe, que la bombe descend. Pour éclabousser la forteresse du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il marchera sur les principautés, sur les dominations, sur les êtres méchants qui rangent le Togo. Seigneur, par ta puissance, nous te le consacrons. Seigneur, nous te le consacrons. Nous te le consacrons. Évangélisons. Nous te le consacrons. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il est consacré évangéliste de l'Église. Jésus revient à lever tous. Seigneur Jésus, que tous les dons qui accompagnent l'évangile, le ministère de l'évangéliste, que tous ces dons maintenant se répandent dans sa vie. Se répandent dans sa vie. Se répandent dans sa vie. Se répandent dans sa vie.
miracles, de puissants dons de guérison, de puissants dons de miracles, de puissants dons de guérison, de puissants dons de miracles. Tu sèmes le pardon dans son cœur. Tu sèmes l'humilité dans son cœur. L'intégrité dans son cœur. L'honnêteté dans son cœur. La vérité dans son cœur. La joie dans son cœur. La tempérance dans son cœur. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Et le ciel a sanctifié. Seigneur, voici ton serviteur. Joseph, ta parole déclare, celui qui est fidèle dans peu de choses, tu vas lui confier, tu vas lui confier encore de grandes choses. Papa, aujourd'hui, tu veux confier encore à ton serviteur Joseph, le ministère de la pauvre. Seigneur, par lui, tout le tombeau sera couvert par le réveil. Tout le tombeau sera embrasé par le feu du réveil. Tout le tombeau va recevoir le feu du réveil. Seigneur, je déclare que l'onction d'apôtre coule maintenant dans sa vie, coule dans son esprit, dans son âme, dans son esprit, dans son âme, dans son esprit, dans son âme. Dans son âme. Dans son âme, oui, cette onction coule, ça coule maintenant, ça coule en riche, ça coule maintenant, ça coule maintenant en riche. Seigneur, tu le coins, 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 le puissant don, le puissant don, le puissant don, le puissant don, le puissant don. Seigneur Jésus, tu l'équipe en puissant, tu l'équipe en puissant. Tu le dis pas plus ça, tu le dis pas plus ça, tu le dis pas plus ça, tu le remplis de la capacité, de la puissance, de l'enchant. Oui, tu le dis aussi de lui, tu sais, tu as l'air de son cœur, tout ce que les hommes lui reprochent, tu as l'air de son cœur, tout ce que les hommes lui reprochent, les paroles, les sens, tu as l'air tout ça de son cœur, de tout qui s'est en lui maintenant. Les paroles d'amour, les paroles de douceur, les paroles d'humilité. Tu sèmes la passion dans son cœur. Tu sèmes la vérité dans son cœur. Tu sèmes l'humilité dans son cœur. L'intégrité dans son cœur. L'honnêteté dans son cœur. La vérité dans son cœur. Oui, la fidélité dans son cœur. Seigneur Jésus, tu le cuis de force et de puissance. Tu le remplis de sel. Seigneur Jésus, tu le fais porter tous les habits de combat. Tu le fais porter tous les habits de combat. Et de puissants dons de miracle, dons de guérison, dons de résurrection des morts. Seigneur Jésus, tous les sorciers du coco s'inclinent devant lui. Les dominations du coco s'inclinent devant lui. Les principautés du coco s'inclinent devant lui. Vous avez touché mon cœur. Vous avez touché mon cœur.
cœur. Vous avez touché mon 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 cœur. Vous vous êtes attaché à moi et vous êtes devenu mon peuple. Vous avez touché mon cœur. Vous avez touché mon cœur. Je répète, je vous toucherai, touchera à la prunelle de mon œil. Je ne blaguerai jamais avec mes serviteurs. Je ne blaguerai jamais avec mes serviteurs. C'est moi qui enseigne dans cette maison. C'est moi qui enseigne dans cette maison. C'est moi qui enseigne dans cette maison. Je passerai par eux pour vous informer que je suis dans cette maison. Je passerai par eux pour vous montrer ma gloire dans cette maison. Ne vous détournez jamais de ce que je vous ai enseigné. Car je règne dans cette maison. Je dis je règne. Qui se lèvera contre mon serviteur fera ma sentence. Car c'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai oint. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux parler de ce que tu as fait? Assez au cœur de Dieu. On peut vous lever, c'est le cœur. Il y a un acquis très fort. Alléluia. Amen. Je vais vous enseigner quelque chose sur l'eau de l'esprit. Ma femme, il nous coulé dans l'église. Parce que l'esprit du Seigneur parle. Mais moi, je vais parler pour moi. L'esprit, c'est une parole dans la parole. Moi, je vais pour n'appeler et n'y aller. L'esprit du Seigneur parle dans la parole. Moi, je vais pour n'appeler et n'y aller. Et s'équipe des instruments de la parole. Et ça n'a et n'y aller. Prends les caractères de la parole. Et donc Dieu n'est pas Dieu de désordre. Pour identifier le Saint-Esprit des autres esprits. Il a dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a deux activités de l'esprit, l'esprit peut vouloir opérer simultanément. L'esprit peut vouloir opérer simultanément. C'est toujours le même esprit. Bon, bon, il peut vouloir opérer par 10 000 personnes à la fois. Et là, c'est toujours le même esprit. Amen. Et s'il opère 10 000 fois à la fois, personne ne sera édifié. Amen. On va écouter qui ça. Alléluia. Mais que c'est le Saint-Esprit? Il laisse la première action. Et là, quand il est interdit, il commence la seconde action. Et tu n'as pas fait l'action. C'est ce que vous montrez pas. Et voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que tu veux. Les chiens de la femme et le mais il y a mal de bon que des chiens. L'esprit du malin allait rentrer dedans pour couper tout, pour prendre le contrôle. Alléluia. Bon, il y a un mais il s'arrange sur la parole. Et il y a un qu'on a là. Sans l'avoir donné. Et si on est chien, si vous comprenez, le Saint-Esprit, je n'ai pas dit. Bon, bon, on a des âmes, mais le Saint-Esprit, tu veux même un arbre. Pour que les gens ne se cherchent pas de l'incrédulité du tout dans leur cœur. Ah, Mololanya y avait non rien de ce là-haut. Ça attise l'esprit, ça altère le temps. Et y a et qui n'a pas bon, et n'a et donna blâmi pas bon, et là qui dort. Et Dieu est dans sa parole, Dieu est dans sa parole, Dieu est dans sa parole. Mao les vingt hommes, et on attend les vingt hommes, et pas bon, on a et même jamais. C'est comme ça. Ça m'a compris. Maintenant, je ne peux pas. Laissez le micro si je ne vous donne pas ça en temps de dessin. Vous savez, il y a quelque chose est passé en Israël. Non, il y a Israël. Avant d'être Israël, avec un roi. Israël, le roi, le Pierre-Fier. Mais, il forçait la mer à Dieu. Et même, ils se sont choisis le roi. Il y a un temps, Pierre-Fier. Tu as dit, mais puisque vous m'avez forcé, ce n'est pas ma volonté. Ils ont reçu un roi selon la chair. Oh, et et ce roi les a égarés. Et mais que celui qui lui-même a choisi. Et au début qu'elle est venue, on l'a méprisé, on ne le connaît même pas. Et va, oh, tu vois, on met Jésus. Oui, le roi, mais a que
peut faire quoi? Jésus peut faire quoi? Nous c'est ça en fait. Beaucoup se disent lui peut faire quoi? Amen. 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 La même chose s'est passée en Israël lorsqu'il avait vu Goliath. Amen. Et nous m'a donné Israël. Un enfant de 16 ans. Au voir Goliath. Et puis lui a dit, si toi tu es dedans, et tu as dit, lui peut faire quoi? Mais on y a on les mais on les pontifs. On les nous quand la tu dois te les pontifs. On nous la tourne oui. Amen. Si tu ne connais pas une œuvre du Saint-Esprit, n'aimes pas quoi que tu n'aimes pas apprécié. Mais par café, c'est la sagesse qui demande ça. Et à nous n'y a ainsi que j'ai bien. Va le prier encore. Il n'a donc rien que ce n'est pas. Mais appelons les pour ton terre. Juste à critiquer après. Sinon, on a notre enfant, nous là pour nous. Ne pas ça. Mais bah ouais, oh. On ne pas ça. Mais bah ouais. Allez. Si tu ne crois pas, n'aime pas ça pour toi, j'ai raison. Va sur la montagne, cherche la foi de Dieu. N'aime pas quoi ça. Les ministres qui sont établis, qui ont été présentés devant vous, je vous dis, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et les rôles sont différents. Le rôle de l'apôtre est différent. Apôtre, le évangéliste, moi, je vais faire de la maison. Le rôle du pasteur. Appelez la maison. Chacun travaille dans son couloir. Ah mais ça me l'a ordonné. Et bien qu'on a dit. L'apôtre, il faut que je répète ton rôle devant l'église. Apôtre, mia glorote, on a les avec combien. Le rôle de l'apôtre, c'est d'organiser l'église. Apôtre, le ton, il y a droit et radon, il y a. Faut pas qu'il y ait de désordre dans l'église. Et nyama nyama makere et rame o. Désordre dans l'enseignement. Et nyama nyama les nous faisons. Désordre dans les pratiques. Et nyama nyama les nous on a même. Désordre dans les dons. Nyama nyama le wudu pour l'organiser. On l'a pas quoi. Le travail qu'on a fait tout à l'heure en appuyant les jeunes, les ouvriers, tout ça là. Est-ce que c'est le rôle de l'apôtre. Oh les yeux. Encore on a pas plein. Le seul là, apôtre c'est comme ça. Après toi tu es. C'est son rôle. Et il y a une toi. Amen. C'est lui en réalité qui est le missionnaire de l'église. Et il est tombé de la na et ha. Il est appelé à aller voir, aller construire les cellules. Et là, il sera et Raou. Allez fortifier les églises qui sont loin. Et là, il va donc faire Raou. Allez à visiter l'église. Et là, il va donc faire. Et le vous rencontre. Compte. Et là, il a mis à son temps. Là, c'est l'église qui l'a envoyé. Elle avait Raou. Il a établi cette église. Et toi, et ha. Donc, s'il y a une mission, il va, il vient, il va rencontre à l'église. Et là, il y a la banane à compte. Dans cette église qui a été établie. Elle avait et Raman, mais au bien. Elle a aussi appelé aussi à établir d'autres. Et il y a un état à météo d'Ani. Amen. L'apôtre n'est pas le chef des autres ministres. Apôtre, l'apôtre n'est pas le chef des autres ministres. Apôtre, la meilleure est Tatona et toi, la les autres ministres ne sont pas le chef des autres. Mais il y a un seul chef. Apôtre, les quatre ministres. Christ. C'est lui qui tombe. Et oui, nana. Alléluia. C'est son corps, c'est lui qui dort. Amen. 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 Ce que je vais dire, et nous n'aimons pas. Parce que souvent ça amène des problèmes. Et il y a c'est pourquoi l'église de l'Europe, on a pris comme une église cobaye. Alléluia. Et à ta vie, que pour vraiment appliquer la sainte doctrine. Mais on teste c'est l'inné. Alléluia. Par l'établissement des ministères. Les autres pays qui sont loin n'ont pas besoin de ça. Parce que vous imaginez, il est qui est au Cameroun, n'est pas, on ne peut pas prendre assis par le Cameroun. On m'a dit, on ne peut pas prendre assis par le Cameroun, c'est pas possible. On a toujours assis par le Cameroun. Par le Cameroun, il faut que je dise à Cameroun. On a eu Cameroun, on l'a eu. Maintenant, il faut prendre l'avion pour aller. On a toujours à Yamehou. Donc, ce n'est pas la vraie configuration. Mais les éléments. Si on est beaucoup plus fréquent ici, l'église est appelée à se soumettre aux autorités qui est établie sur elle. Oui, ce jour, ce sont les autorités de l'église. Je ne vais pas de vous mettre à genoux devant elle. Ce sont les autorités que l'Esprit de Dieu a établies devant vous sur vous. Pour que des hommes, vous aurez moins de problèmes.
Amen. Aussi, il n'y a pas de conflit entre les ministères. Alléluia. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que vous êtes les mêmes personnes qui vont dire à d'autres les erreurs, les problèmes d'organisation, les problèmes de cohésion. De tout notre pays, c'est pourquoi j'appelle vraiment à l'église de prier pour ses serviteurs. Du coup, il ne peut pas tout faire. Alléluia. Il faut grandir, c'est vous qui allez soutenir dans les prières, J'aime vraiment le peu togolais. J'aime vraiment le peu togolais par rapport à quelque chose. C'est la ferveur du serviteur. La ferveur du serviteur. Et mais ce que je veux dire, c'est par rapport au pays. Où le Seigneur a permis que nous ayons quelques petites expériences. En Côte d'Ivoire, après dans les gens servent le Seigneur différent. Au Gabon, après dans les gens servent le Seigneur différent. Allez, nous sommes là-bas. Au Burkina, c'est différent. Au Cameroun, c'est différent. Cameroun, Niger, c'est différent. Niger, Sénégal, c'est différent. Sénégal, là, et tout. Amen. Amen. En marche de Togo, là. Pour Togo, là. Les autres pays de quoi pourtant ils servent le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Ce que je vous dis, ça peut vous choquer. Est-ce que tu me pousses à vous dire ça? L'église du Gabon, ce n'est pas nombreux. On met son bon. C'est l'église organisée. Qui se soutient? Quand on dit que les gens fondaient leurs pieds, la porte au pied des apôtres, il y avait assez de la monture, assez de pieds dans l'église. Non, mais à mon temps, on avait question. Nous, il y a des problèmes sur tout le monde, il manquait rien. Il y a une année que les relateurs. Mais ici, j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Fiamme, quoi, mais quoi, les nénémas? Je dis la vie, c'est pas encore ça. Mais les nénémas, ce sont des sous de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'était les serviteurs qui s'envoient. Vous avez reçu les prophètes. Mais on a grandi dans le concept de moi. Les trucs à toi. Oh, moi je connais quelqu'un qui a reçu le prophète pendant un jour. Il a reçu comme prophète. Le prophète vient laisser la bénédiction. C'est des choses qu'on ne doit pas vous rappeler. Il faut dire à cette culture. Lorsqu'il y a une dans l'église là, qui vient là, il faut toujours l'accompagner. Si le Seigneur envoie un missionnaire, ça veut dire qu'il ne prenait ni bouche ni ça, ni bâton, allez seulement, donnez vite. L'ordre de vous nourrir. Voilà, elle est nulle. C'est comme ça. Donc si quelqu'un vient, en mission, dans l'église, mais tomber les hameaux, je vais quand même l'encourager, je vais quand même montrer vraiment l'hospitalité. On a parlé de l'hospitalité, non? Mais nous l'avons fait à Milo à Roy. Vous avez ça, on parle ici. Il n'y avait pas les débrouillards. Oh non, je n'ai rien, de Dieu, je n'ai rien. Non, ce n'est pas du coup, il n'a rien. Je parle de ton cœur. Mais les pour beaucoup de Wodji. Ton cœur doit s'ouvrir, ton cœur doit bien. Wodji, l'homme, nous. Le monde a compris ça. Il y a merci. Le monde a compris ça. Il y a merci. Il n'y a plus de bonheur à donner. Vous recevoir. Il y a rien, les nanas, mais trop grand. Et on va dire dans le proverbe. La sagesse de qui pas dit, celui qui arrose sera arrosé. Amen. Si tu arroses,
Mais l'homme de Dieu, mais au bout de c'est une chose de Dieu que tu arroses. Mais c'est comme ça en fait. Il y en a un. Je vous prie vraiment de réveiller cette bonne manière que vous avez en temps. Non, mais dernier, on est les deux. On a un peu relâché. Elle va mettre assez les dix. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que les serviteurs les missionnaires là, elle avait c'est un lit de coton qui prenait en charge les besoins depuis toujours. Ouais, mais au moins, il y a un coton qui est et que. Vous voyez, c'est une entreprise, on va dire, ah, c'est notre entreprise qui va payer. C'est des emplois de nos entreprises. Mais donc, on l'a fait, donc, maintenant, elle a tout fait là. Peut-être que vous avez ça vous a échappé. Elle m'a parlé, mais dès que vous m'avez fait, je sais que la suite du marché, c'est quelque chose de très grand ici. N'y avait pas de problème. La foule aujourd'hui sera comme multipliée. Les maisons seront débordées. Elle a parlé. Donc, je vous prie de vous soumettre aux autorités. Et la dernière chose, c'est que l'Église est sous tutelle. Amen. L'église est sous tutelle. Quand on dit ça, les gens disent quoi est sous tutelle? Je vais expliquer ça. Et que l'église, Jésus revient de lever, est sous contrôle, est sous autorité, sous la direction. Et comme Jésus revient de Alléluia, elle est proclamée. Et sous la direction du groupe Jésus revient. Elle est Jésus revient de proclamée. En particulier. Amen. Bien. On n'a pas l'habitude de mettre des églises sous tutelle. Mais même qu'on a rendu la porte. Les églises opèrent librement. Et là où on adore, on a l'église de le mettre sous tutelle. C'est-à-dire qu'on verra et le peuple. Toutes les décisions, les grandes décisions, ou même de l'eau, quand on a une extension, on est fort. On a blé. D'accord. Le groupe s'est sauvé. On a blé. On va donner des instructions à propos de qui est le responsable. Et il va vous dire ça. Et quand vous dites ça, vous avez laissé. Les responsables pour appeler directement celui qui sur qui l'église est placée. Non, on va faire ça. Non, pour aller au-delà, au-delà, Bernard. Prophète Étienne, prophète Samuel, si le prédit vous appelle ici, vous posez un problème, dites-le que la solution est sur place. Néoyami, on avait deux tiens les fiers. Alléluia! Amen. La solution est déjà sur place. Donc, il y a un peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, c'est quoi? On ne va pas contrôler les choses. Mais ma tombe à côté. Ça veut bien arriver. On peut apporter notre contribution. Mais il y a un temps. Ce n'est pas un temps. Mais le premier soir, c'est ici. Voilà, et nous, pas toi. Fier. La soirée est ensuite là. C'est ici. Et nous, on a pas toi. Fier. C'est ce que m'a compris. Mais oui, c'est quoi même? Donc, voilà pourquoi nous sommes venus. Aujourd'hui, et mon parti avec la paix. Est-ce que vraiment on peut partir avec la paix? Est-ce qu'on ne va pas entendre ça? Bien sûr, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants disent. On ne va plus entendre. Ce que vous l'entendez avant. Et l'ennemi, c'est pas. Je vous prie que cela soit exact pour ce qu'ils ont dit. Mais donc, on avait l'ennemi à parler. Et donc, vraiment, être soumis. Il y a un homme pour moi. Afin que vraiment l'œuvre que tu veux accomplir ici. Venez dans le roulant de tes pères. Tout chaque d'eux et toutes ses vies. N'est-ce que tu as dit Amen. Ça, mais n'est-ce que tu as accès. Nous remettons tout dans ta main. Mais pour les années, c'est nous. Nous te disons merci. Et bien, ta paix. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Veillez ce que vous Amen. Amen. On va prendre le repas du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une cuisse spéciale. Et bien, ce soit David va dire qu'un jour passé dans la maison de l'Éternel vaut mieux. On n'a pas passé une journée. Ça donne l'équivalent de 1000 ans ailleurs. Amen. Je pense que la présence de Dieu va rassasier. Amen. La présence de Dieu va nous rassasier. Ce n'est pas tout. Des fois, on se voit, c'est un culte spécial pour l'ami. Et ce culte sera voulu par le repas du Seigneur. Yes, on soit à Ogunan ou Bakle. Le repas du Seigneur est l'un des commandements qu'il nous a laissé. Le Seigneur, la nuit, il devait être livré. Et c'est le dernier moment où il a rassemblé ses amis à lui, qu'on appelle les disciples, les douze. Et c'est pour, il va poser le monde. C'est là qu'il va leur parler. Et pour quelqu'un qui voit la fin de sa vie.
Amen. Les papas, nous qui sont chers. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et nous m'appelons. Il va les rassembler. Il y en a pour nous. Et avant de le faire, il va les laver les pieds. Ah, viens là, et là, ouais. On est là, quoi, Fona. Il va les laver les pieds. Et là, quoi, Fona. Il va les dire à chacun, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et le problème est ici, comment? Il dit, vous m'appelez maître. Mais il y a ma pétante. Vous avez bien fait de m'appeler maître, je suis vraiment maître. Et il y a un peu de mes amis, mais c'est moi en tant que maître. Ceux qui lavent les pieds en Israël, ce sont les esclaves. Ce sont les varupis. Les gens sans valeur. Parce que les pieds sont les endroits les plus sales. Je dois accepter enlever nos saletés. En soulignant. En se traversant. Afin de donner l'exemple de se servir les uns des autres. Donc ça veut dire, en venant à cet arbre, tu dois savoir une chose. Cet arbre à laquelle je vais venir, je ne vais pas venir avec de l'orgueil. Je ne vais pas venir avec de l'arrogance. Je ne vais pas venir à travailler sur les caractères, on a prié dans la prêché sur ça. Et il y a des membres d'amourer. Et qui ont dit, mais là, du Seigneur, elle comprend de quoi et quoi. Après toi, la foi, nous, quatre, nous, elle est composée du corps. Et on te l'a. Amen. Amen. Et du sang. Parcle, mais ce n'est pas le corps et le sang que vous voyez. Amen. Mais plutôt, parcle, le pain et le vin. Voilà. Nous allons maintenant prendre cette parole-là et vous prier sur ça. Et donner des recommandations. 1 Corinthiens 11. Je vais dire ça rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. À partir du verset. Donc, d'accord, verset 17 rapidement. Et écoutons la parole du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le vois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un en fait, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Vous méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre en sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Bien-aimés, voici l'ordre que l'apôtre Paul a reçu sur le repas du Seigneur. Quand on parle du repas du Seigneur, ça nous rappelle la Pâque. En fait, la Pâque d'Israël était avant, avait un sens qui n'était pas connu, juste à ce que Jésus vienne. Ce qui se cachait derrière la Pâque, c'était le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il prenait ça, une fois par an, avec beaucoup de rituels. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a donné le vrai sens à la Pâque.
Elle n'a pas de débout. Amen. Donc la part est quoi maintenant? Le repas du Seigneur. Et trois jours, Maoué, nous devons. Est-ce que vous comprenez? Parce que elle avait... ce qui fait la part, c'est quoi? Et le pain et le vin. Et Isaac prenait le pain et le vin sans savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire servir. C'est pour ça qu'on nous rappelle encore sur ça. Pourquoi vous voulez, ils ne comprennent pas ce qui peut être. Ils pensent que c'est ça. Pour les gens, ils ont cassé, ils ont mis des trucs à boire, à manger, à boire. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Mais il y a si tu viens dans ta tirosse et tu manges le pain, tu bois le pain. Non, va te manger. On va tout avoir le manger. Les images imaginaires. Tu n'es pas invité à la table d'un grand, tu t'approches. On y a même tu mets ta main dans la main du roi. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Des nana. Tu vas vivre, tu ne vas pas. Des nana. Malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tard. Symbolise en réalité. Et avec nous, la parole du Seigneur. Mawaklo. Et le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus qui a été donné. C'est le corps qui a porté le péché. Et c'est ce corps qui a été livré, qui a été brisé. Et la main au cœur. C'est qu'en réalité, c'est le corps qui a été brisé, qui a été frappé à la croix. Et la main au fruit. Ce corps qui a été déchiré. Que toi tu sois sauvé. Maintenant, il y a un accord. C'est ce corps en réalité que le Seigneur est en train de prendre. En le présent, en réalité, tu nourris ton esprit pour que tu dis ah! Non, les gars, au lèvre, je suis mort pour moi. Jésus a souffert pour moi. Jésus peut vous l'étaler. Et ça me met dans un état. Ça me met dans un état. Et elle a pleuré, planué pour pardonner. Donc, en mangeant ce pain, non, c'est que je participe au corps de Christ. Mais les corps, comme les Christ, je vais pas manger. C'est que ne pas participer au corps de Christ. Ne au corps ma Dieu, il est venu ma corps. Si vous pouvez garder les commandements, c'est le commandement il a donné. Pour ceux qui ne mangent pas le corps du Seigneur, amen. Amen. Violé le commandement du Seigneur. Amen. Un péché. Mettez-la au goma ouvert. Si tu ne viens pas à la terre du Seigneur, c'est que tu as péché. Ne au mettez la gogo et blanc. Si tu viens à la terre du Seigneur, évidemment, tu as péché. Ne au vana les maintenant, comment on vient? Dans quel état on vient à la table? Non, mais quand même, il y a un environnement de Gogo à projet. On vient dans l'état du crainte, l'état du crainte de Dieu. Mais il va dans les. Donc, tu dois être en harmonie avec Dieu. Tu ne peux pas manger à la table du Seigneur en ayant la haine dans ton cœur. Après, tu vas projet essayer. Parce qu'en mangeant ainsi dans cet état, tu as dit la malédiction sur toi-même. Tu manges à haine. Vous savez que, même dans nos familles, quand tu manges, tu as dans le même plat avec quelqu'un. Non, tu manges à haine. Papa, en réalité, tu manges la malédiction sur toi-même. Donc, la table, après le repas, constitue. Le moment de règlement des comptes, le moment de paix, on fait la réconciliation. Si tu manges le même plat avec quelqu'un en quittant la haine, tu manges la mort. Ne on lève toujours les habitudes. Mais à part les cas, mais on lève les habitudes. Donc ça veut dire que nous devons manifester quoi? L'amour de Christ. Nous devons avoir les deux là, le même personnel, le même manger à Satan. Et le vin, on peut prendre le vin. Il y a le sang qui a été versé. Il y a le sang qui a scellé l'alliance. La première alliance que Moïse a ouverte a été scellée par le sang. Moi, c'est vrai, mais l'alliance la plus parfaite est venue avec le sang de Christ, le sang de l'agneau. Et c'est ce sang maintenant qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous donne le salut. Et vous m'avez croyant dans la vie de papa. Donc ce qui est ici et lui, elle est plus que pain et plus que du vin. C'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut s'approcher de la table? Qui peut s'approcher de la table du Seigneur? Ce sont les disciples du Seigneur. Toi et moi, on n'a pas le même esprit, on ne peut pas, tu peux pas, on peut pas manger ensemble. C'est ceux qui ont reçu l'Esprit Saint.
Ceux qui ont été baptisés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont pris l'engagement de vivre dans la sainteté. Amen. Ceux qui sont loin du péché. Amen. Ceux qui se jugent en eux-mêmes. Amen. Si ton cœur là où tu es te condamne, ne t'approche pas. Mais tu n'as pas été baptisé. Ne homme que la vérité. Homme dès qu'il est dans le nia t'approche pas. Mais bah t'es Google. Alléluia. Ne t'approche pas. Mais bah t'es Google. Si tu encore des problèmes avec les péchés, masturbation, tout ça là. Parce que c'est ta mort que tu vas blasphémer la table. Et à ma haine, donc c'est pour la Bible que chacun s'éprouve. Et à ma haine, ça m'a dit que je On a dit que si tu peux t'approcher de la table du Seigneur. Est-ce que je peux m'approcher de la table du Seigneur? Que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boit avoir de la coupe. Si tu es de la société de vie, cette fois-ci, tu vas prendre la mort. Alléluia. C'est là beaucoup, n'allez pas à comprendre la parole. Si tu es dans la société de vie, non la tienne. Et comme tout le monde fait, et ça me semble levant. Toi, tu t'approches pour le pain. Tu peux prendre un moulin sur le champ là. L'église va te prendre, va t'enterrer comme la vie Anania si on a enterré. Alléluia. Les amis, toi. Mais c'est très bon de prendre le repas. Ça renforce la communion avec le Seigneur. Ça renforce la prière. Ça nous permet de pousser encore du péché. On a dit quoi que car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous faites cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus. Et ça, il y a Et aussi, quoi, c'est ce qui revient. Donc, on va annoncer quoi le retour de Jésus. Quand je vais répondre le repas, c'est quoi l'annoncer l'évangile. Annoncer la repentance, le retour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc voilà comment il faut s'approcher de la table. Donc toi tu t'examines. Si tu es en bonne condition, tu peux t'approcher. Mais si aujourd'hui tu n'es pas en bonne condition, tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour que la fois prochaine, tu puisses avec les ordures que tu as dans ton cœur. Avec la sincérité du cœur. Dans l'unité des hommes de Dieu, à venir consacrer la table du Seigneur. Un chant. C'est très bon de s'approcher dans la table du Seigneur, dans la sécurité. Dans la sécurité du cœur.
Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Rends-moi digne de t'approcher, Seigneur Jésus-Christ. Je veux participer au corps. Je demeurerai en toi. Et que toi aussi demeures en moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Seigneur, ce qui est en toi, que tu sois une condamnation. Je te prie, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et pardonne-moi. Et libère-moi de ce pardon. Libère-moi de ce pardon. Libère-moi de ce pardon. Libère-moi de ce pardon. Allons dans l'ordre.
nom de la table du Seigneur. Quand vous prenez, mettez-vous de côté, buvez, et je vais poser le vin dans l'eau. Quand tu vas prendre le repas, à ta place, faut prier. Demande au Saint-Esprit de te bénir encore.
Revivez mes ténèbres. Je détruis la mort au milieu de vous. Ceux qui avaient perdu de l'espoir, je vous donne de l'espoir. Donnez courage. Donnez courage. Je sais que beaucoup pleurent dans leur cœur. Mais soyez consolés. La marche n'est pas facile, mais soyez consolés. Je vous ai dit que je suis toujours avec vous. Vous ne perdrez pas la vie. Vous combattez dans la victoire. Aujourd'hui, je détruis la mort au milieu de vous. Consolez-vous et essuyez vos larmes. Tous ceux qui pleurent, j'ai dit qu'il n'y a pas de pleurs dans ma maison, car je suis le consolateur. Je vous console. Je vous console. Demeurez dans la paix. Oubliez les problèmes. Oubliez les difficultés. Attachez-vous à moi. Attachez-vous à moi. Que les persécutions ne vous fassent pas oublier ce à quoi vous êtes appelé. Que la distraction ne vous fasse pas perdre le chemin du ciel. Je suis avec vous. Consolez-vous. Prenez vos armes et combattez. Allez dire à ceux qui sont dehors que le royaume des cieux est proche. Regardez aux difficultés. Je suis le propriétaire de l'or et de l'argent. Regardez à moi. Je vous ai dit que je suis avec vous tous les jours de votre vie. Priez, veillez, avancez. Je suis le modèle. Regardez à moi. Je suis le modèle. Ne vous perdez pas sur le chemin. Ne cherchez pas des raccourcis pour vous perdre. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière aux choses que vous avez perdues. Aux choses qui sont des vanités. Aux choses périssables. Mais regardez, regardez, regardez-moi. Je suis le modèle. Plongez vos regards dans la Bible. Plongez vos regards dans la parole. Je suis là pour vous conduire. Je suis là pour vous éclairer. Je suis là pour vous conduire. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'y a plus rien à regarder dans le monde. Il n'y a plus rien à regarder autour de vous. Le meilleur est devant vous. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est pourquoi vous devez fixer vos regards sur les choses d'en haut. Cherchez encore les choses d'en haut. Cherchez toujours les choses d'en haut. Je vous dis, essuyez vos larmes. Oubliez vos problèmes. Je suis là pour les résoudre un à un. Je suis le consolateur. Je suis le consolateur. Je suis là pour vous tenir la main, pour vous amener au ciel. Ne cherchez pas de raccourci. Ne regardez pas en arrière. Beaucoup se sont perdus en regardant en arrière. Beaucoup se sont perdus en se fiant à la chair. Oh, convoitise trompeuse de ce monde! Qu'est-ce que je ne peux pas vous donner? Mais ce que je vous donne en premier, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Essuyez vos larmes, essuyez vos larmes. Consolez-vous et reprenez le chemin. Allez, allez annoncer ma parole
à ceux qui sont dehors, aux âmes qui sont en train de périr, aux âmes qui sont en train de pleurer, aux âmes qui sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas la vérité, parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Mais vous, vous avez le fruit de l'esprit. Vous avez tout. Vous avez tout. N'ignorez pas ce que vous avez. Ne minimisez pas ce que vous avez. Consolez-vous maintenant. Que tous ceux qui pleurent se consolent maintenant. Que tous ceux qui pleurent se consolent maintenant. Et regardez le modèle. Regardez le modèle. La Bible est devant vous. Tu vas te tenir debout, nous allons faire cette prière. A titre de la poitrine, on va te donner. Seigneur Jésus-Christ, pourtant Jésus-Christ, Saint-Esprit, papa, toi qui as la parole. Oui, quand il toi qui s'est péché. Oui, quand il tient, toi qui as habité au milieu de nous. Oui, quand le mien, toi qui est mort pour nous. Oui, quand le mien, toi qui as été crucifié. Oui, quand tu as été crucifié. Oui, prends toi qui as monté aussi. Oui, quand tu as envoyé l'esprit. Oui, quand tu as compris là. Nous te bénissons. Mirao. Seigneur Jésus, Papa Yesu, tu nous as dit dans ta parole. Que nous avons levé garder mes commandements. Tu parlais de tes commandements, tu nous as dit. Communier avec toi. Quelques fois nous nous rassemblons. Seigneur, nous sommes là. Nous avons obéi à ton commandement. Seigneur, nous prions maintenant. Ne passe pas sur le pas. Nous te prions. Nous soumis à nous davantage. Que notre vie reflète ta vie. Que notre vie reflète le modèle. Que notre vie devienne une vie de modèle pour cette génération. Saint-Esprit, que tout ce qui est mort en nous reprenne. Je te prie, à travers ce repas, protège ton peuple, protège ton église. Seigneur Jésus, quand l'ennemi va s'approcher de ton enfant, va t'approcher de ton église, qu'il voit Christ lui-même, qu'il te voit lui toi-même, qu'il voit le lion de la terre. Qui voit le Seigneur et le Seigneur Jésus, nous te disons encore merci. C'est parce que tu nous as permis de participer à cet acte. Merci parce que tu nous as appris à donner la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous allons demander. Le Seigneur de nous apporter la corbeille, la prédation de grâce. Les enfants de Dieu, les enfants de la famille, la paix, 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 la paix,
Selon ta parole, Seigneur Jésus, le roi n'a l'âme. Tu as demandé à ce qu'on apporte dans la main. Et les voilà présentés devant toi. Et en ce moment, Seigneur Jésus, je prie que tout soit sanctifié par ton sang précieux. Que les mauvais grains soient détruits au nom puissant de Jésus. Et que les mains qui ont donné, Seigneur, que tu pouvoir encore aux sources de revenus. Afin que les prochaines fois, il y ait encore plus d'abondance dans la maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre culte de fin de mission. Et aujourd'hui, heureusement, c'est un jour pour certains qui sont venus participer pour la toute première fois au milieu de nous. Heureusement. Donc, si tu es là ce matin pour la toute première fois, au milieu de nous pour participer à notre culte, c'est vraiment un peu de Dieu voudrait vraiment te connaître. Avec nous de vous tenir sur vos pieds pour la toute première fois. Ceux qui sont dans l'environnement immédiat, vous connaissez ça mieux. Jésus-Christ, vous connaissez ça mieux. Je suis heureux. Vous Jésus-Christ, nous sommes très heureux. Il est dormi. De vous voir vraiment dans ce grand réveil. Mais dis quoi, il est dans la main. C'est une joie pour. Je vous parmi nous aujourd'hui. Mais c'est une grâce particulière.
Voilà, Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous voulons vous connaître vraiment. Shalom, shalom, sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes venu pour la toute première fois aujourd'hui. Mais nous aimerions connaître vraiment par quel moyen vous avez connu le réveil et aujourd'hui vous êtes au milieu de nous. Adoration où les vrais enfants de Dieu doivent adorer Dieu en esprit en vérité, assolés, et le Seigneur en train de les rassembler. Plutôt, c'est le Saint-Esprit qui t'a invité maintenant dans le réveil. Et là où tu as trouvé la vérité, là, il faut rester là-bas. Et après, il n'y a pas la lèvre en arrière. Est-ce que tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà Jésus. Shalom. 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 Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Comment t'appelles? David. Le frère David. Voilà, comment tu es venu aujourd'hui? Par quel moyen tu as connu le groupe Jésus le bien tu es venu aujourd'hui? C'est moi avec ma mère. Ah, avec ta maman. Ah, gloire à Jésus. Que chacun amène cette parole, que chacun amène ses enfants aussi. Amen. C'est avec le Claudia, on est Claudia là-bas. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, comment tu as vécu la présence du Seigneur avec nous aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse. Il manque les mots. Très bon. Très bon. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, ma soeur. Oui, que le Seigneur te bénisse. La sœur Madeleine. Oui, on appelle la sœur Madeleine. Oui, comment tu as connu le groupe Jésus le bien, tu es là aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu as connu le groupe Jésus? Non, frère Justin. Ah, le frère Justin. Ah, tu viens de Gara. Eh bien, où faut préciser? Elle vient de Gara. On attend le Seigneur Jésus. Voilà. Elle a traversé beaucoup de kilomètres, elle a parcouru beaucoup de kilomètres. Elles ont kilomètres à quoi qu'elle a pu vaquer. Elle vient de Kara. Elle est au Kara, et c'est pas le diable du diacre Justin. Et au frère diacre Justin dit. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour la vie du diacre Justin. Il est là, après toi, il est sur le diacre Justin. Sœur Madeleine, comment tu as vécu la présence du Seigneur avec nous? Comment tu as expérimenté ce moment merveilleux? Je suis très content ce matin. Il n'y a pas mal de tu es très content ce matin. Oui, c'est la joie du Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur voudrait que nous adorons vraiment dans la simplicité, dans la sainteté. Et c'est ça que le Seigneur t'appelle aussi. Voilà, ce que tu as expérimenté aujourd'hui, il faut conserver ça. Et il faut y demeurer. Puisque la trompette va bientôt sonner. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui. La sœur suivante. Shalom. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Votre nom. Et comment vous avez connu le groupe Jésus? Mon nom s'appelle Rosalie. La sœur Rosalie. Oui, et comment vous êtes venue? Quel moment ma fille a... Avant que je ne vienne en ce lieu. C'est au travers de ma sœur. Ma sœur n'est pas ici, elle est à l'étranger, c'est elle qui m'a envoyé dans ce lieu. Et j'adore au niveau des sept chandeliers, les sept chandeliers d'or au niveau de Bernard Copé à l'échangeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Voilà. À la fin, vous nous attendez. Et nous, Mia, la toutes les soeurs également qui sont passées tout à l'heure, on aura quelques minutes qu'on va prendre votre temps. Nous venons au Catanou, la Copé, les bébés. Que le Seigneur vous bénisse. Après ton Iran. Shalom, shalom, ma soeur. Shalom, shalom. Oui, comment t'appelles? Moi, c'est la soeur. La soeur? Iris. La soeur
Oui, on a mes soeurs Iris. Comment tu es venu? Comment tu as connu le groupe Jésus? Combien tu es là aujourd'hui? Je connaissais Jésus revient de tout Cotonou. Mais si Jésus revient de tout Cotonou. Mais c'est la première fois que je viens à Jésus revient de tout Cotonou. Ah, gloire à Jésus. On n'a pas le Seigneur Jésus. Et il nous a payé le bâton. Et il y a la paix aussi, tu nous attends quelques minutes. Là, nous, à notre 3 minutes, il y a le coup. Voilà, que le Seigneur fortifie le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez fortifiés. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin. Et certainement, ça sera notre dernier culte avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Nous bénissons le Seigneur pour votre sens d'écoute aussi. Vous avez reçu la parole de réveil. Et le Seigneur voudrait que nous conservions ce feu et que nous la propagions davantage. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est avec vous. Il réveillera toujours avec nous. Un grand jour dans la vie de l'église Jésus revient. Renommé et Jésus revient du Togo. Jésus revient au Togo le matin. Peuple de Dieu, il est écrit dans Actes 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie. Père de Dieu, je voulais par ma petite voix unis à la voix de l'Église pour dire merci aux missionnaires. Dis merci au Jésus pour la vie des missionnaires. Alléluia. Amen. Pour leurs efforts, leurs zèles, leur courage. Pour aider l'église Jésus revient. Et ce n'est pas facile. Et ensemble nous allons prier pour que le Seigneur puisse les convaincre encore de grâce. Et chacun dans sa maison, dans vos prières, priez le Seigneur pour les protéger partout où ils iront. Les missions qui les attendent encore. De la même manière, le Seigneur a œuvré puissamment ici. Que le Seigneur puisse leur donner encore une belle vision pour accomplir d'autres missions qui les attendent dans les différents pays. Et au revoir n'est pas un adieu. C'est ici seulement, il ne peut pas revenir à pied. Alléluia. Amen. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Et merci aussi. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre courage. Aussi votre zèle et tout ce que vous avez fait. Ceux qui ont vraiment aidé les missionnaires de tous vos dons, tout ce que le Seigneur a mis à vos cœurs, nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui s'apprêtent aussi pour
il a aidé. Alors là, nous sommes là pour recevoir tout. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez comblés de toutes les bénédictions. Et que le Seigneur ouvre d'autres portes devant vous. Et vous protège. Bénis les œuvres de vos mains. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, l'Église de Jésus revient. Jésus le va entrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle page. Et c'est ce qui va nous conduire. Et il a promis. Et comme tout ce qui donne la force aux apôtres, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Yo, le jour, le asalam, dans un même amour. Les mêmes sentiments. Les mêmes pas. Les mêmes visions. C'est ce qui donne force. Et, aux apôtres. Nous sommes... Et c'est ce que le Seigneur nous demande à faire. Nous allons prier pour que le Seigneur nous bénisse. Avoir une même vision, mais pas les mêmes sentiments, pour que ensemble nous puissions œuvrer puissamment, nous puissions travailler pour propager le réveil au Togo et au-delà des frontières. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons passer aux annonces. Demain, lundi, comme d'habitude, mardi, de 0h à 17h, jeûne personnel. Et à 18h, il y a soirée d'enseignement. Mercredi est réservé pour la sortie d'évangile. Et le peuple de Dieu est encore invité à descendre massivement. Ce mercredi à partir de 16h pour le dernier tour à Décon. Donc, nous invitons tout le peuple de Dieu à descendre massivement sur l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, jeudi, c'est réservé pour les cellules de prière de maison. Et nous invitons encore tous les bien-aimés à aller aux cellules de prière. Cellules de prière la plus proche de tout un et le Seigneur fait grâce, il y aura encore d'autres cellules qui s'ouvriront très très bientôt. Restons en prière pour que le Seigneur puisse se manifester puissamment avec son esprit. Pour que tous les quartiers soient équipés par les cellules. Amen. Alléluia. Amen. Vendredi. De 0h à 18h. Jeûne personnel. Et 18h30. Soirée de prière intense et de combat spirituel. Et sachant que nous sommes dans le combat. Et je viens de dire que y a une nouvelle page qui s'ouvre. Et l'ennemi, lui aussi, il a appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous allons nous lever pour faire le bon combat. Nous allons combattre dans la victoire. Amen. Donc ce vendredi, à partir de 18h30, sortez massivement. Amen. Amen. Samedi, c'est un jour réservé pour l'entretien, écoute, délivrance. Alors,
ceux qui étaient venus le samedi sur passé. Étaient venus à l'écoute. Nous vous invitons tous ce samedi. Et préparez-vous et rentrez en jeûne à partir de mercredi. Et vous venez le samedi à partir de 8h30. Le Seigneur, sa puissance est au rendez-vous. Et le psaume 68, verset 21 déclare que notre Dieu est le Dieu des délivrances. Et c'est lui qui le fait. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, c'est le jour de culte. À 8h00. Dans toutes les cellules du Togo, c'est à 8h00. Alors, peuple de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. Massivement ce dimanche à partir de 8h. Pour célébrer le nom du Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci pour votre patience. Alors, comme je viens d'annoncer, il y a certainement certains qui ont amené quelque chose pour aider les missionnaires à prendre un bon vol. Alors nous allons demander à la servante de Dieu, la meilleure chambelle, ce que tu as apporté, il ne faut pas retourner avec. C'est un rappel. Viens mettre ça dans le panier. Toi, qu'as-tu donné, qu'as-tu reçu, la bénédiction de la part de l'Éternel. Il s'est sacrifié pour toi, qu'as-tu donné. Reconnais tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Donne-t-il à travers ses serviteurs. Qu'as-tu donné à Jésus. Il s'est sacrifié pour toi, qu'as-tu donné. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu de Jacob,
toi infiniment riche. Et tu as fait de l'argent un signe de ton abondance. À toi l'argent, à toi l'or. Nous te disons merci. Merci pour les dons, merci pour l'offrande. Seigneur, nous prions humblement de bénir, les bénir, les sanctifier, les purifier dans ton sang. Que tu sois sanctifié dans ta parole et dans le sang de l'agneau. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui ont venu donner. Amen. 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 À la paix de Dieu. Depuis le matin. Nous sommes ici. C'est vrai, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et nous a donné de nourriture spirituelle. Solide pour notre âme. Et le corps aussi a besoin de nourriture. C'est pourquoi l'Église a prévu quelque chose pour vous. Après la prière de clôture, vous attendez. Le Seigneur nous a donné le pain spirituel, nous avons partagé aussi le pain physique pour fortifier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Jacques Gracien, pour la prière finale. Amen. Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand Dieu, Dieu d'Abraham, Abraham, Dieu d'Isaac, Isaac, Dieu de Jacob, Jacob, toi le premier, toi le dernier, Seigneur, voilà ton peuple. Oh Seigneur, ils sont édifiés. Tu les as équipés pour poursuivre la marche avec toi. Seigneur, je veux te dire merci pour le travail merveilleux que tu es en train de faire au sein de mon église. Seigneur Jésus, papa, soutiens ton peuple. Seigneur Jésus, les nouveaux serviteurs que tu as établi, que tu as oué, que tu as consacré, que tu as équipé, Seigneur, forme-les, donne-le, papa, l'onction nécessaire, la sagesse nécessaire, le zèle nécessaire, l'unité nécessaire pour s'occuper de ton église. Seigneur, tu permets jamais que l'ennemi va utiliser le vieil homme en eux pour détruire ton église. Ne le permets jamais. Seigneur, c'est toi qui es devant cette église. Devant ce réveil. Et rien ne peut détruire. Alors, Seigneur Jésus, papa, pour ton peuple. Protège ton église. Tu connais les besoins de chacun de tes prières. Regarde depuis le matin. Ils sont là à t'écouter. Regarde comment tu es mis de compassion pour eux. Seigneur Jésus, ils ont besoin de que tu impactes leur vie dans tous les domaines de leur vie. Que tu les impactes. La bénédiction authentique. Seigneur,
après tant, tout ce que l'homme touchera, soit béni. Tout ce que l'homme touchera, soit béni. Porte des fruits. Porte des fruits. Ce que le projet a. Que ce projet s'accomplisse. Que ce projet se réalise. Notre Jésus. Ceux qui sont dans de diverses activités. Que ces activités connaissent le succès, Seigneur. Seigneur, soutiens. Ceux qui ont le projet de mariage. Seigneur, je te prie, papa. De les soutenir. Ceux qui ont le projet de voyage. Seigneur, soutiens-les. Et que toute la gloire te soit. Seigneur, tes serviteurs. Nos filles méritent son salaire. Tu connais ceux dont ils vont vivre. Seigneur, viens à leur secours. Toi qui les as établis. Toi qui les as choisis. Papa, soutiens-les. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets, mais nous ne pouvons pas traiter aujourd'hui. Nous venons les gars pour venir des Togo et Cotonou. Togo après Cotonou. C'est comme quartier quoi. Eh là, ben comment après comment. On va venir nous prendre. Y a ta mère qui a trop bas que. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ça se porte très bien. Alléluia.
Alléluia. Le miracle se passe très bien au Togo. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tout le monde a déjà téléchargé l'application Jésus le bien? Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.